On peut passer par en bas. Quelle est la com? J'ai vu une com. C'est quelle est? J'avais une femme comme la sienne à l'étage, je laisserais pas les draps refroidir. J'ai mal au cou. Toutes ces merveilles. J'en récupérerais une si j'avais pas besoin de ce boulot. Flygrove paye bien. Il dit en avoir assez de cambriolage. S'il a ça en vitrine, t'imagines ce qu'il a dans ses coffres. Je le hais, ce foutu piaf. Au moindre bruit, il se met à piquer une crise.
Je devrais peut-être rendre visite à son épouse. Bon. Ouais, il était d'éteindre les lumières, de toute façon, il n'y a personne. À part le ronfleur. Si je ne me trompe pas. Sont en verre. Enfin, on peut en tirer un bon prix en comptant sur la naïveté du client. Il est temps de sortir. Une fenêtre à l'étage suffira pour passer de l'autre côté.
Et voilà, fais attention ici. Une belle pièce. Bah, allez, range ça. Je vais essayer quelque chose. Je suis pas sûre de l'avoir fait. Oh, ce fil.
Et voilà, ni vu ni connu. Ah, ça fait mal. C'est par là que je sors. Mais une fois en bas, je pourrais pas revenir. Mon père se souvient de l'incendie de Shellbridge. Il faisait jour en pleine nuit avec les flammes. Ou nuit en plein jour avec la fumée, je sais plus. J'ai lu qu'avant la naissance du baron, la cité était en guerre. T'as lu ça, toi? Ça alors, incroyable! C'est vrai que c'est l'endroit rêvé ici. Il s'est passé tellement de merde, c'est vrai. Les incendies, les maladies. Sans parler de la guerre. Ça, c'était avec Blackbrook, d'accord? D'ailleurs, c'était plutôt des prises de bec. Évidemment, si nos voisins apprennent qu'ils tournaient dans la mouise, t'inquiète, tu l'auras de ton guerre. Bon, je vais sauvegarder là par contre. Le baron pourrait peut-être faire en sorte. Que l'épidémie ne se répande pas. Il paraît qu'on va recevoir l'ordre d'exécuter tous ceux qui ont été mis. Quoi? Ça rigole pas alors, c'est le problème. Et est-ce qu'on sera mieux payé? Ça prend dans les verres. Ah non. Tu rigoles? Je te jure. Oh, je vous en prie. Je vous en prie. Oh, non, mais c'est pas vrai. Vous êtes obligés de beugler ici? Comme si on manquait pas déjà de sommeil? Oh, désolé, madame. Ordre du capitaine. Il a dit, allez vous mettre sous la fenêtre de la bonne femme à Bridge Market, celle qui a la tronche que même les crapouilleurs la foutraient à l'eau. Et c'est ça, je vous souhaite de choper la grisaille. Ça fera des vacances à tout le monde. Fais gaffe, elle est partie chercher le pot de chambre. On raconte que le vieux machin chaud est mort de la grisaille. Qui ça?
Allez, il l'a bien mérité. Ah, j'ai pas de flèche. T'habites sur le chemin d'Eastport, c'est ça? Y'a la grisaille là-bas? Ouais. La rivière était recouverte de cadavres gonflés. On aurait dit un breu gigantesque. Arrête, tu veux bien? J'en ai mangé juste avant le début de la ronde. C'est le torcheur qui s'est enfoncé dans cette perte jusqu'à la taille pour les tirer de là. Thank you.